suis en compagnie de l'actrice Louise Marlowe, qui tient la vedette du nouveau film de Stéphane Géhami, Mes ennemis, qui est en compétition officielle pour le Canada au Festival des films du monde. Bonjour Louise Marlowe. Bonjour. Qu'est-ce que raconte le film Mes ennemis? C'est un film qui a pour thème les artistes, la marginalité et l'amour impossible entre un jeune homme et une dame âgée. Et parlez-moi de votre personnage d'Isabelle. Alors, c'est une femme qui a été une grande, grande pianiste, qui a joué dans des grandes salles, qui a été mariée, le mari est mort. Elle continue à vivre dans une maison qui devient de plus en plus délabrée et elle s'ennuie. Alors, elle prend des chambreurs. C'est une alcoolique, c'est un être très marginal, elle aussi. Et elle prend des chambreurs qui sont des artistes. Le jeune homme avec qui elle a une relation est un romancier qui est en train d'écrire un roman et qui va devenir... Je suppose que ce personnage-là, c'est un peu le réalisateur lui-même qui se projette dans l'être qui essaye de créer, qui mêle la réalité à la fiction et invente une histoire. Et ça faisait plusieurs années qu'on ne vous avait pas vu au cinéma. Qu'est-ce qui vous a attiré vers ce projet en particulier? Ah, bien ça, le scénario était fabuleux. Il fallait qu'il soit à l'écran. Et là, bien, il y a des comédiens merveilleux dont je suis entourée. Vous avez eu une grande carrière au petit et au grand écran. Quels rôles, vous diriez, qui ont été les plus marquants, les plus déterminants dans votre carrière? Bien, il y a les films de Léa Paul, les deux films de Léa Paul, et dont Anne Tristère, et que j'ai revu récemment, qui tient la route complètement. Et ben, le film de Marc-André Forcier, Une histoire inventée, justement, je l'ai revu aussi lors d'un hommage à Marc-André Forcier à la Cinémathèque. Et j'ai trouvé que c'était absolument d'actualité et drôle et merveilleux comme réflexion. Oh, il y a eu aussi, très important, le film de Mireille Dansereau, L'arrache-cœur. Ça aussi, j'ai eu un prix au Festival des films du monde, justement. Quelle est votre opinion du cinéma québécois des dernières années? Oh, moi, je trouve que c'est fabuleux. Il y a un éveil au niveau du cinéma québécois extraordinaire. Et selon vous, c'est quoi l'importance d'un événement comme le Festival des films du monde à Montréal? Moi, j'ai un attachement fondamental, de cœur, parce que j'étais là à ses tout premiers pas. J'ai eu des prix, j'ai été sur le jury. Et moi, j'ai un grand, grand attachement au festival lui-même. Merci beaucoup, Mme Marlowe. Merci. Si vous voulez voir le film Mes ennemis, il sera projeté en salle à travers le Québec dès décembre prochain.